Nous pensons que la meilleure façon de vendre des produits au Royaume-Uni pour une société européenne est de les vendre avec l'Incoterm DDP. L'Incoterm DDP leur permet d'être à la fois l'exportateur de leurs produits au départ de l'Europe, mais également d'être l'importateur de ces produits au Royaume-Uni, ce qui évite ainsi à leurs clients d'être confrontés à des questions douanières. Et nos clients ont également la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle l'auto-liquidation de la TVA à l'importation. Ce qui fait que ces entreprises n'ont pas l'obligation de payer la TVA à l'importation, et ce qui représente donc un gain de trésorerie très important. Il est très recommandé pour les entreprises européennes de s'immatriculer à la TVA au Royaume-Uni lorsqu'elles y vendent des produits. En effet, les autorités fiscales britanniques proposent très peu d'exemptions à la TVA, ce qui rend donc ces obligations absolument incontournables. Et ce que nous proposons à nos clients, c'est de les immatriculer à TVA, de déposer leur déclaration de TVA également, et de rendre leurs opérations parfaitement conformes à la réglementation britannique. Les services que nous proposons à nos clients qui ont besoin d'un numéro de TVA au Royaume-Uni consistent à l'enregistrement de ces entreprises à la TVA auprès des autorités britanniques. Ce processus comprend la collecte des informations auprès de nos clients, leur traitement, mais surtout l'envoi d'un dossier complet auprès des autorités britanniques, de manière à ce qu'elles disposent de toutes les informations leur permettant d'enregistrer ces sociétés à la TVA britannique. Je pense que les sociétés qui souhaitent travailler avec RM Boulanger recherchent avant tout d'être guidées, d'être prises par la main et attendent de nous des réponses très pratiques à leurs questions. Nous sommes bien évidemment des experts en fiscalité, mais nous sommes aussi là pour les accompagner et rendre leurs opérations compréhensibles. C'est probablement ce qui est le plus important dans notre mission.